La raison pour laquelle j'ai créé cet atelier, c'est pour rendre hommage à mon père et au travail qu'il a fait à l'époque. On appelle ça un devoir de mémoire. Bonjour, donc je suis Boris. Je dirige l'atelier Bracq Heritage. Nous sommes un atelier de restauration de Mercedes classique. La spécificité, c'est un atelier qui restaure les voitures que mon père a dessinées. Mon père est Paul Bracq. Il a été le premier designer français chez Mercedes, responsable du style avancé. Ensuite, il a été responsable du style chez BMW et chez Peugeot. Hi, I'm Sergio Bada, application engineer at Shining 3D. Today, we are at Bracq Heritage in Bordeaux, France. Where we are gonna scan this fancy car behind me with our new FreeScan Trak Nova. La raison pour laquelle j'ai créé cet atelier, c'est pour rendre hommage à mon père et au travail qu'il a fait à l'époque. On appelle ça un devoir de mémoire. Donc ça veut dire que je me suis dit c'est dommage. Mon père a dessiné toutes ces belles voitures. Donc notre rôle au sein de cet atelier, c'est de les préserver et de les maintenir en vie. Donc les préserver, c'est par l'entretien, et les maintenir en vie, c'est de les restaurer complètement, et dans le respect du travail de ces personnes de l'époque. For today's project, we are going to use the Nova in its tracking configuration. And we are going to set it up within few steps. First of all, we are going to place the UE on its tripod, and power them on with the batteries because we are going to use it without cables. The second step is simply calibrating the scanner, and after that we are good to start our new project, choose the resolution and start the scan. Thanks to its versatility and flexibility, it can tackle any project and adapt to the special needs of each task. In this case, for instance, we are not allowed to place markers on the car, so we are gonna use it as a tracking system to scan it markerless. Besides that, thanks to its compact and lightweight design, it's ideal for an environment like a workshop. At the same time, it gives high accuracy results with high resolution, meaning a lot of details, which gives us reliable scan data that we can use as reference for our new designs. La particularité, c'est que nous, lorsque nous restaurons ces Mercedes, nous essayons de garder le maximum de pièces d'origine. Donc chaque pièce est rénovée à part. Nous ne remplaçons pas l'ensemble comme le font certains ateliers, parce qu'on veut garder l'âme du véhicule, qui est très important pour nous, sinon ça devient un autre véhicule. Et l'ensemble, pourquoi? Parce que l'ensemble de l'équipe, elle est vraiment passionnée. Ils ont l'étoile gravée sur le cœur. Et notre fierté, c'est de voir un véhicule rouler. Et là, aujourd'hui, le vrai challenge de l'atelier, moi, ce qui me passionne au quotidien, c'est ce travail traditionnel de la carrosserie qui est centenaire, avec toutes les étapes que l'on a besoin pour pouvoir mener ces projets à bien, et y associer les outils les plus innovants, les plus de haute technologie pour nous aider. Donc par exemple, en tôlerie formage, on fabrique des gabarits en bois sur lesquels on va présenter les formes pour pouvoir fabriquer ces carrosseries. Et aujourd'hui, on peut scanner, on peut les dessiner en 3D, ces formes, on peut les faire découper en commande numérique. Et après, on a déjà nos gabarits. Et on essaye d'associer tout ça ensemble pour pouvoir être plus efficace, plus rapide et plus précis. Je trouve que la rencontre avec Shining et du 3D est une belle rencontre, parce que la qualité de ces produits rentre tout à fait dans notre besoin d'excellence. On a besoin de bons outils pour pouvoir nous accompagner dans la création de ces véhicules-là. High demanding and dynamic workshops like Bracq Heritage need flexible solutions to cover all their needs. It is for this reason that the FreeScan Trak Nova is the ideal solution for such a changing environment. We at Shining 3D are happy that we can provide such a technology
to cover all their needs and help them at 3D scanning.